ça se fait en collaboration entre la commune de Mérin, son service culturel, je tiens à le souligner, et pour cette représentation de cet après-midi, effectivement, le service des aînés. Ça s'est mis en place parce que on a tout de suite été extrêmement intéressés par ce festival du film et forum international sur les droits humains, parce qu'on a une réelle diversité ici à Mérin, vous le savez. On a beaucoup de Mérinois qui ont un parcours migrant, qui peut être plus ou moins récent. Et donc, aujourd'hui, avoir des discussions sur ce qui se passe dans le monde, qui peut être le pays d'origine de plusieurs Mérinois, en quelque sorte, c'est pour nous important. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis un grand adepte du 7e art, donc je me réjouis à chaque fois qu'on peut accueillir un festival ici à Mérin. Vous savez que malheureusement, on n'a plus de cinéma, et donc on peut un peu compenser cette lacune en accueillant des festivals, mais surtout des festivals qui allient l'esthétique à des questions éthiques, à des questions d'engagement, à des questions de solidarité. Ça, c'est extrêmement important et à ce titre, le FIFDH est un merveilleux festival. Тото тени не слиза само сирийци, афганистанци, талибани, не знам какво ти е потребно. Има хора, трябва да се дава шанс. Ако стана кметски наместник, нали, да се докарат тук хора, които от Сирия, да се заселят, искам да се оживи. Е, тук иска Иван да вкара сирийци. Аз не съм съгласен. Защо ще ги вкарват тук тези сирийци? Защо? Не стигат вече дарварите. Номер 8. Другари и другарки. Искам интернет за всички. Както е в Русия, както е при Путин. Има комунизм. В който се задушиха 71 емигранти в Австрия, това обявиха австрийските власти на извънреден брифинг. То деца има ли уред? Имаме, нали, това казаха, да. Това са хора убийци. За мен. Не съм го искал така, но така стана. Къде отивам? Какво правим? Le personnage, la musique, la langue, l'environnement, c'est la même chose. C'est comme être en Grèce. Et aussi, le fait que ces gens-là, dans des conditions très, très difficiles, ils ont essayé d'ignorer la loi et de faire quelque chose pour aider les réfugiés. Aussi, c'était la solidarité quotidien, quoi. C'est quelque chose qui vient du cœur. Et ça, c'est l'expérience aussi en Grèce pour les vieilles personnes qui habitent dans les villages, qui sont abandonnés. Je comprends tout ça. Et aussi le contexte de l'idée de changer ça avec les gens qui viennent, qui sont des gens qui sont jeunes. Et toute la force des réfugiés qui vont venir et on va les accueillir. Et ça donne d'un nouveau sens à notre vie. Moi, j'ai adoré ce film parce que il se déroule en Bulgarie. Et on traverse des villages qui connaissent la désertification ou l'exode rural qui se meurt. Et cette idée de ce facteur
de vouloir redonner vie au village en accueillant des migrants, des familles notamment. On voit que dans le village, ce ne sont que des personnes âgées, et est une excellente idée en tant que telle, et suscite un débat entre ceux qui ont peur, entre ceux qui trouvent que c'est une bonne idée, qui pensent qu'on peut effectivement redonner vie au village. Ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Et d'ailleurs, à l'issue du film, j'ai eu un entretien avec une dame portugaise qui me disait que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais alors là, ça aboutit, alors que dans le film, ça n'aboutit malheureusement pas. Mais qu'au Portugal, effectivement, certains villages qui étaient en train de se mourir ont pu accueillir et redonner vie au village grâce à l'apport de migrants. Ce film, je trouve qu'il est intéressant parce que, ben, d'une part, j'aime voir tous ces habitants de ce village-là qui a l'air d'être un village qui va mourir dans quelques années. Tous les gens sont vieux, tous les gens n'ont plus d'espoir. Il y a des figures assez belles, évidemment, celle du facteur est la figure la plus, je dirais, la plus complexe sur voilà, ses doutes, son engagement, son attente, sa souffrance aussi, sa solitude. Tous les gens sont seuls hein, dans ce film, je trouve. C'est assez étonnant quand on voit ce film aussi parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis en train de regarder un documentaire ou est-ce que je suis en train de regarder un film de fiction? Et ça, je trouvais assez intéressant, quoi, parce que apparemment, je me disais, mais ça, c'est un scénario, en fait. C'est construit. Ou est-ce que véritablement, parce que, voilà, ce sont des gens, des habitants, là, qui jouent ces rôles-là, quoi. Et ça, je trouvais vraiment fascinant, quoi. Merin est prêt et était prêt à accueillir. On avait mis en place tout un réseau composé à la fois de services communaux, mais pas forcément ceux auxquels on pense. Il y avait effectivement le service social, mais il y avait également le service culturel. Il y avait le théâtre Forum Merin qui était disposé à accueillir pour les repas de midi des réfugiés syriens, parce qu'effectivement, on nous avait annoncé qu'ils allaient arriver et qu'il fallait que Merin fasse sa part, et Merin était disposé à faire sa part. Et finalement, malheureusement, je dis moi malheureusement, ils ne sont jamais venus, parce que ça signifie qu'ils ont été stoppés quelque part et qu'ils vivent dans des conditions, j'ai pu le voir l'été dernier à Belgrade, parfois ils vivent dans des parcs et sans abri, sans tente, et quand il pleut, effectivement, ils sont exposés à la pluie, au vent, aux intempéries, et que finalement l'accueil qui était certes pas très formidable qu'on leur proposait ici, puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'abri de la protection civile, même alors cet hébergement précaire qu'on leur proposait est nettement mieux que ce qu'ils peuvent vivre en Bulgarie, où ils sont refoulés, en Turquie, ou en Serbie ou ailleurs.